fil du temps, la colonnade du Palais Bourbon est devenue le symbole de l'Assemblée nationale. Mais ce que l'on sait moins, c'est que sont conservés ici de véritables trésors de notre patrimoine. Le cœur de l'Assemblée nationale, c'est l'hémicycle. Je vous en prie, la séance est ouverte. Ici résonnent encore les voix des grands orateurs qui ont façonné les lois d'hier et d'aujourd'hui. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les 300 000 avortements qui chaque année mutilent les femmes de ce pays. Le choix de l'abolition de la peine de mort, c'est pour chacun d'entre vous un choix moral. Il existe aussi au Palais Bourbon un lieu beaucoup moins médiatisé, qui est pourtant l'un des chefs-d'œuvre du patrimoine français, la bibliothèque. Un lieu magique, où des milliers d'ouvrages anciens semblent vouloir nous transmettre leur savoir. Les plus précieux d'entre eux ont traversé les siècles pour venir jusqu'à nous. Ce sont les trésors de la bibliothèque de l'Assemblée nationale. Créée dès la Révolution pour aider les élus de la nation dans leur travail législatif, la bibliothèque de l'Assemblée nationale rassemble aujourd'hui plus de 600 000 ouvrages mis à la disposition des députés. Les premiers bibliothécaires, héritiers des Lumières, ont eu à cœur d'acquérir un fonds ancien exceptionnel qui compte 80 incunables datant du 15e siècle, les premiers temps de l'imprimerie, et plus de 2000 manuscrits. Un vrai trésor. L'ancienneté de ces ouvrages les rend très fragiles. C'est pourquoi ils sont conservés dans une chambre forte dont la porte ne s'ouvre qu'exceptionnellement. Entre ce fond ancien et la nef qui l'abrite, l'histoire est intimement liée. Les cinq coupoles qui composent le plafond ont été peintes par Eugène Delacroix entre 1839 et 1847. Elles représentent les cinq thématiques qui permettaient autrefois de classer les livres. Les sciences, la philosophie, la législation, la théologie et la poésie. Pour chacune de ces disciplines, les trésors de la bibliothèque sont comme des portes qui s'ouvrent sur les siècles passés et nous invitent à remonter le temps. Le roman de la Rose est un chef-d'œuvre de poésie du Moyen-Âge qui connut à l'époque un formidable succès. Ce poème de plus de 20 000 vers évoque les codes de l'amour courtois. La bibliothèque de l'Assemblée nationale en possède deux. Un manuscrit et cet incunable édité à Paris en l'an 1490. Les lettres sont imprimées mais les illustrations sont encore peintes à la main. Ces cachets de cire ont été apposés sur deux enveloppes, dont celle-ci, par Jean-Jacques Rousseau en 1778. Il avait donné pour consigne de ne les ouvrir qu'en 1801, en raison des informations qu'elles contiennent. Mais cette dernière volonté ne sera pas respectée. Les enveloppes sont décachetées le 5 Vendémiaire en 3, c'est-à-dire le 26 septembre 1794, à la demande de la Convention. Elles contiennent les manuscrits des Confessions. Rousseau s'y présente avec sincérité. « Je veux montrer à mes semblables un homme dans toute la vérité de la nature, et cet homme, ce sera moi. » La théologie. Cette sphère art millaire de la fin du XVe siècle servait à étudier les mouvements des astres. Dans certaines civilisations anciennes, cette étude a abouti à l'élaboration des premiers calendriers rituels. Celui que possède la bibliothèque est un joyau de renommée mondiale. C'est le Codex Borbonicus. Un calendrier aztèque de plus de 14 mètres de long,
Peint au tout début du XVIe siècle sur des feuilles de ficus, il présente le cycle sacré des 52 années solaires. On y découvre entre autres la description de rituels souvent macabres. Ici, le prêtre qui incarnait Xipetotec, le dieu du printemps, écorchait sa victime et portait sa peau comme un vêtement pendant 20 jours avant de l'enlever pour célébrer la renaissance de la nature. Sur ce dessin, on peut voir Quetzalcoatl, le serpent à plumes, dévorant sa proie. La coupole de la philosophie évoque aussi l'histoire dont les trésors nous font remonter le temps pour découvrir l'une des héroïnes les plus emblématiques de l'histoire de France. Le manuscrit du procès de Jeanne d'Arc exprime encore l'âme de celle qui fut sacrifiée sur le bûcher. C'est l'évêque Cochon lui-même qui authentifie ce document, comme l'atteste le sceau apposé sur la dernière page. Détail troublant, le manuscrit a gardé sur les côtés, de manière inexpliquée, des traces ressemblant à des brûlures. Les sciences nous ouvrent la porte de l'Égypte ancienne. À partir de 1809, paraissaient les premiers volumes de la description de l'Égypte, fruit des travaux des 160 savants qui accompagnèrent Bonaparte lors de sa campagne entre 1798 et 1801. Les textes, les cartes et les magnifiques gravures réalisées sont encore aujourd'hui une source d'informations précieuses pour les archéologues et les historiens. La coupole centrale, celle de la législation, est en lien direct avec l'Assemblée nationale. Elle nous invite à revenir aux sources de la démocratie française. Notre voyage dans le temps nous ramène en 1792, lorsque Rouget de Lisle écrit les paroles de la Marseillaise, dont la bibliothèque possède le manuscrit. Quelques années auparavant, la Révolution française écrit ses premières pages. Le 20 juin 1789, à Versailles, sous la présidence de Bailly, est signé le serment du jeu de paume. Ce document d'archives est l'acte de naissance de nos institutions. Les députés s'engagent à ne jamais se séparer avant d'avoir donné à la France une constitution et à se rassembler là où les circonstances l'exigent. Partout où ses membres sont réunis, là est l'Assemblée nationale. Parmi les signataires figurent déjà des noms célèbres de la Révolution française. Le procès-verbal des séances des 16 et 17 janvier 1793, consacré au jugement de Louis XVI, constitue un autre document précieux de cette période. Danton et Robespierre font partie des nombreux élus qui votent la mort du roi. La bibliothèque de l'Assemblée nationale rassemble ainsi de nombreux trésors. Parmi eux, des chefs-d'œuvre de la calligraphie et de l'enluminure, comme le missel de l'abbaye de Saint-Claude ou les décades de Tite-Live. Et des manuscrits de nos plus grands orateurs, tels Jaurès, Clémenceau, ou avant eux, Victor Hugo. La bibliothèque de l'Assemblée nationale est un formidable vaisseau, dépositaire des plus beaux trésors de notre patrimoine.
qui poursuit son voyage à travers le temps.